well i'm down in the valley early in the morning i be listening to radio grizzly Varden. everything i need more than i'm wanting is a radio grizzly Varden. Les amis, je vais commencer cette euh, interview par une, une énigme. Je tiens dans une poche de pantalon. Je suis rempli de trous. Et lorsqu'on souffle en moi, de belles mélodies s'échappent. Vous l'avez. Qui suis-je? Je veux bien sûr parler de l'harmonica, ce beau petit instrument autour duquel se réunit l'association Harmonica du Lac à Charavine. Et pour nous en parler, est avec nous Guy. Tout de suite. Bonjour Guy. Bonjour. Euh, de passer derrière euh, Yano, c'est sûr que j'ai intérêt à assurer. Donc je me suis amené une petite antisèche là. Yano, je vais essayer d'être pas trop mauvais. Eh <laughs> bien, pour commencer, Guy, présentez-nous euh, votre association euh, l'harmonica du lac. Alors, l'association a été créée en janvier 2020 avec le soutien du maire de Charaville, Bruno Guyot-Bataille. Elle réunissait environ une quarantaine d'adhérents en 2022. Nous avons été soutenus dès le début, justement, par Barfoutiano, harmoniciste, guitariste, chanteur, artiste international, directeur des stages au Greasy Blues, qui, et qui réside aujourd'hui à la Buisse. Nous avons été aussi soutenus dès le début par Antoine Laville, pianiste, harmoniciste depuis plus de 20 ans, prof de piano et d'harmonica intervenant à l'école du Touvet, de, de l'école de cordes. Au Touvé. il assure des corps, cours collectifs et individuels. Réside à Saint Ismier, donc il est d'ici. Actuellement, euh, il est, comment dire, il fait partie du groupe By the Gospel River, groupe international avec Emmanuel Jobs. Puis d'autres groupes. Nous avons été aussi rejoints par quelqu'un qui est très connu dans l'harmonica, qui s'appelle Rachel Place, artiste internationale. Rachel était membre de l'équipe de France de judo. Elle a été vice-championne de, de, du monde de judo junior et elle s'est se, elle investie dans l'harmonica après son activité de, de judoka. Et aujourd'hui, elle est internationale. Elle était il n'y a pas longtemps dans l'Arkansas. Et elle fait, euh, elle a beaucoup de, comment on appelle ça, d'interventions. Elle est gérie de honneur. Et, euh, elle représente euh, l'association Harmonica Yuka. Et son rôle est de promouvoir l'harmonica auprès des jeunes générations. Alors, les objectifs de l'association. C'est la oui. question que vous allez me poser. Tout à fait. Alors, <laughs> promouvoir la, la pratique de l'harmonica. Être un point de contact pour les harmonicistes amateurs pratiquants et non pratiquants de l'ISER puisqu'auparavant, il n'y avait pas d'association qui sur l'isère il y en avait beaucoup sur la haute savoie notamment euh, participer à la vie locale dans des projets organisés par des associations locales j'ai entendu morgan tout à l'heure qu'à du peps oui. Eh bien euh, dans notre association nous nous avons arsenic et petite bretelle de chabon qui fait aussi du spectacle vivant euh, auprès des écoles il y a le sous des écoles -éc de Charavine, il y a la musique des terres froides au Grand Lince, les comptoirs de Charavine, etc. La MJC de la Tour du Pin et la MJC de la Busse. On participe au réseau des associations d'harmonicistes en région Rhône-Alpes avec les associations Harmonica en borne et Demos d'Armos à Arbrel. On participe au réseau national en participant au conseil d'administration de la Fédération Harmonica de France. Alors deux petites choses là, faut que je... On a le temps, on peut y aller, on peut J'ai le temps. <laughs> oui. Alors les réalisations, euh, nous avons fait des journées harmonica le 24 juillet 2021 avec Coralie à la MJC de la Tour du Pin, des semaines d'harmonica en collaboration avec la MJC de la Tour du Pin de Rachel Place en immersion scolaire à Aoste et à la Tour du Pin avec Rachel Place et Philippe Heroué et puis nous avons organisé un moment important, le festival national d'harmonica sur trois communes, Chabon, Mentonex en Borne, euh, en, en Haute-Savoie et Charavine en mai 2022. Avec, euh, Ça a été une grosse réussite puisqu'on avait une cinquantaine de stagiaires d'Harmonica, une cinquantaine de musiciens, dont le Conservatoire de Musique de Bourgoin, l'Orchestre Harmonica de France, les Flash Harmonica, le groupe de Stéphane Lédé, Chantal, etc., les associations d'Harmonica, d'Arvis Harmonica et Harmonica en Bourgogne. Alors, le prochain sujet, les actualités, les activités actuelles. Dites-nous, dites-nous, nous faisons, Nous réalisons des... Alors, c'est un des points que je voudrais euh, évoquer aujourd'hui. C'est que nous avons démarré en septembre des ateliers d'initiation pour les enfants et les adultes à la MJC de La Buisse, euh, et donc ça démarre très fort. On a déjà euh, trois enfants qui, qui ont vraiment euh, de la dynamique, et puis des adultes. Et euh, donc c'est le mardi en soirée à La Buisse dans les locaux de la MJC de La Buisse. Les prochains projets, Alors, nous faisons aussi de l'initiation à Charvin le lundi et le mardi tous les quinze jours dans la salle des permanences à Charavine. Les prochains projets. Donc, c'est le concert de Barfoot à la Buisse Salle Polyvalente le samedi qui vient, là, 10 décembre prochain à 20h, organisé par la municipalité de la Buisse. Et nous, l'association Harmonica, nous avons été invités pour présenter nos activités et notamment l'atelier d'harmonica. Donc, on passera en première partie du concert de Yano. Qui sera dynamique. Alors je vous invite à ceux qui aiment l'harmonica et même ceux qui n'aiment pas, euh, ils peuvent venir. Ça ça donne, hein mm -hmm. parce que l'Australien à pied nu, euh, <laughs> il est quand même, euh, il a la. Et donc euh, l'autre projet qui sera le 18 décembre, ce sera le concert de l'orchestre d'harmonie de musique des terres froides à 16h à Aprieux, le dimanche 18 décembre. Et nous, là aussi, nous passerons en première partie pour présenter notre activité euh, d'Harmonica. Et dans ces deux cas, nous avons un duo qui s'est formé et qui est adhérent de l'association Harmonica du Lac, euh, Bruno et son guitariste Andy, et qui passeront donc pour illustrer ce que c'est que l'Harmonica euh, quand, quand on maîtrise. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je vous ai pas dit Eh bien, vous nous avez dit beaucoup de choses, Guy. Ah tout. si, il y a un truc ouais, que, faut que je vous dise, important. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous <laughs> avons, euh, je profite de l'occasion pour remercier le staff du Grizzly Blues qui nous ont beaucoup aidés euh, dans leurs conseils sur la réalisation du festival, notamment Dédé, Serge et toute la bande, y compris le stagiaire. Euh, donc, euh, je, je tiens à les remercier au nom de l'association Harmonica du Lac et puis aussi votre voisin là. Euh, qui qui euh, qui comment dire qui a un magasin de musique oui. il, il est vachement sympa en fait. plus je <laughs> suis à peine rentré que j'ai vu toute la gamme d'harmonica il est super voilà mm -hmm. et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre et eh ben je suis bien content d'être venu vous voir que vous avez l'air sympa, <laughs> j'espère que les, notre message sera passé. Tout à fait, bien sûr. Euh, vous, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé, Guy, de nous avoir partagé toutes ces infos sur cette belle association euh, qui regorge de beaux projets et de beaux musiciens, plein de super musiciens talentueux dont vous nous avez parlé, euh, dont Berfutiano, on le rappelle, qui sera en concert ce week-end, le 10 décembre, donc ce samedi, à la Buisse. Tout à fait. Euh, la polyvalente. Tout à fait. Et vous pourrez donc, bien sûr, chers auditeurs, rencontrer euh, les euh, les adhérents de l'association l'harmonica du lac. Si vous êtes intéressé par l'harmonica, euh, c'est l'occasion de s'y mettre. Mais peu importe l'âge, peu importe n'importe qui peut faire de l'harmonica, ce petit instrument qui ne coûte pas grand chose et qui euh, se transporte partout. Je rajouterais que c'est un harmonica, euh, c'est un instrument qui permet d'avoir de la musique de façon intuitive et dont les kinés respiratoires utilisent, qu'ils utilisent dans le cas de rééducation respiratoire. Il n'y a, okay. a pas que de la musique, il y a aussi de la santé. Eh <laughs> bah ben oui, participe à votre bien-être, l'harmonica. Euh, pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site. Si vous tapez l'harmonica du lac, euh, vous trouverez euh, tout plein d'informations euh, sur Internet. Voilà! Guy, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Ou eh ben, tout bon que je suis bien content d'être venu. <laughs> et puis qu'en plus, j'avais bien euh, amené mon, mon anti-sèche et que j'ai pu, j'espère, tout dire. <laughs> voilà. C'est tout bon. En tout cas, le message est transmis. Merci beaucoup, Guy.